Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Papa Commode. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le mode Archmateship, notamment les engins volants, qui vont m'aider à réaliser les trois quêtes de la création. Je dois vous avouer, je suis un peu nerveux, c'est ma première vidéo. J'espère que vous excuserez tous les petits faux raccords ou commentaires déplacés. J'ai déjà construit les engins et préparé des tableaux de craft, et les présentations sont faites, alors suivez-moi. Présentation des blocs principaux pour construire les véhicules, en sachant qu'on peut utiliser la quasi-totalité des blocs de Minecraft. Je vous ferai un détail des blocs non utilisables sur mon blog, donc n'hésitez pas à le visiter. On va commencer par le Ship's Helm. C'est un élément qui va construire votre véhicule à partir de tous les blocs présents et reliés autour de lui. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les éléments pour crafter les blocs. Je pourrais le faire sur une autre vidéo si vous êtes intéressé. Voici le air ballon, élément indispensable pour vos engins volants. Pour faire des constructions fun et colorées, il vous suffit de crafter la laine en couleur. Voici le moteur, il sert à accélérer vos engins. Pour le charger, un clic droit dessus et vous mettez du charbon dans les slots disponibles. Le siège passager est indispensable si vous jouez à plusieurs. Voici les instruments de bord. C'est un élément décoratif. Les aiguilles bougent en fonction de la vitesse et de la direction. Je vais préparer mon véhicule. Je vais vérifier si le moteur est chargé en charbon. Puis je vais cliquer sur le helm. Oups! Encore raté. Ça y est. Donc on peut voir sur le panneau le nombre de blocs constituant le véhicule, le type de véhicule, donc Airship. Et sur la gauche, vous avez des boutons pour donc assembler le véhicule dans un premier temps et le monter pour pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est parti. Bon, j'espère que le petit tour vous a plu. Maintenant, on va tester un véhicule sans moteur et on fera un petit saut en parachute en prime. Quand on quitte le véhicule en l'air, l'engin redescend tout seul. Je ne devrais pas tarder à le retrouver. Attention à ne pas faire d'engin trop haut, car au moment de le quitter, on sort par le point le plus haut de la construction.
C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.